France. Alors il y a eu l'enregistrement du CD, alors ça a été une expérience incroyable. On a découvert ce que c'était que le travail studio, que le travail sur l'enregistrement, on a découvert la promotion d'un album. Et ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour nous. Et on a vendu pas mal de CD. On est vraiment très heureux de ce qu'on a réussi à faire. Nathalie et Mathieu m'ont demandé si je pouvais remplacer Adeline pour quelques représentations, quelques animations. Et avec plaisir, j'ai dit oui, à grand plaisir. Donc j'ai pu la remplacer sur cinq animations. Du coup, j'ai vraiment découvert ça autrement. C'est très plaisant. Alors cette année, on a fait plusieurs expériences de rencontres qui étaient vraiment intéressantes et qui nous ont permis de mieux apprendre notre métier, je crois, de musicien d'église. On a joué dans des églises, justement. On a joué dans des écoles. On a joué dans des lieux très différents. Je me souviens de Selviller aussi, avec une très belle salle, un super son dans cette salle. Et des belles photos pour l'EDM. C'était assez marrant. Et une fois, on est retourné au Christ ressuscité, notre église fétiche. En tout cas, on a passé pas mal de temps dans cette église. Et ce jour-là, on nous annonçait une soixantaine de jeunes venant de la région de Benfeld, je crois, un truc comme ça. On arrive, et je me souviendrai toujours de Louis et Marie qui étaient en train d'essayer de... Oh, vite, 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 faut qu'on trouve du matos, là, parce qu'on va jamais arriver à sonoriser tout ça. Il nous faut des enceintes, un truc plus puissant, mais c'est pas possible, il y a trop de gens. 360 jeunes qui étaient venus ce jour-là, on a rempli l'église, on n'a pas compris. Aussi qu'on a pu s'appuyer sur une équipe technique qui est vraiment formidable, qui nous aide vraiment à réaliser notre animation, qui nous aide à apporter ce message qui nous tient tant à cœur, hein, qui est pour nous la bonne nouvelle, hein, c'est vrai, de l'Évangile. Mais sans eux, ce serait pas possible. Donc il faut dire qu'il y a tout l'aspect musical, mais il y a aussi tout l'aspect technique qui vient soutenir, qui vient nous permettre de communiquer ce message et pour laquelle je suis vraiment, vraiment reconnaissant. T'as vu, il est 8h25. Ça peut se caser, ça. On regarde devant. Comme il n'y a pas de problème. J'aime mieux quand même. Un délai là. Allez, ça va. Alors si ça se trouve, la musique qu'on va faire va un peu évoluer parce que on va peut-être aller vers de la musique folk, on va peut-être aller vers d'autres sensibilités, on va essayer des choses, on va prendre le temps de ça. Mais si tout se passe bien, à l'horizon 2015, on pourrait peut-être ressortir un autre album puisque celui qu'on vient de faire, Waouh, a été très très apprécié. Je te salue.